une eau cristalline. De l'air pur et vivifiant. Une nature dynamique et indépendante où les arbres se déracinent lentement et se replantent un peu plus loin dans une terre plus fertile. Des forêts luxuriantes et luminescentes qui transforment la nuit en jour. Des espèces animales si abondantes que leurs chants et leurs cris font vibrer l'air de cacophonie incessante. Des plages lumineuses au pied de falaises de cristal. Des maisons rondes construites à la main. Des matériaux naturels que l'on va chercher dans un grand centre d'approvisionnement centralisé. Les habitants y apportent leurs créations et les mettent à disposition du public gratuitement. On prend le strict nécessaire, on pense aux autres. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de gouvernement. Les maisons sont dotées d'intelligence artificielle que l'on considère un peu comme des animaux de compagnie. On cultive son jardin, on récolte à la main. Il n'y a pas de route goudronnée, les déplacements se font en vaisseau individuel qui se pose sur trois pieds, ne laissant que le minimum d'empreintes sur le sol ou sur l'environnement. Les populations sont organisées en sociétés holographiques où tout le vivant, les plantes, les animaux, les êtres humains, sont considérés comme un ensemble insécable où chaque élément est pris en considération, écouté et protégé. Les ressources sont partagées équitablement et chacun est au service de l'autre. Cette description est celle que Zen, mon mentor de 148 ans, a commencé à me faire après lui avoir demandé tous les détails sur sa société. Si nous faisons les bons choix, en gardant la nature et le peuple au cœur de ce que nous construisons, ce sera aussi dans quelque temps la description que nous ferons de notre planète et de notre vie. Dans son ouvrage « Manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre », Richard Buckminster Fuller écrivait « Il est évident que la réelle richesse de la vie à bord de notre vaisseau spatial, la planète Terre, est son système de régénération évolutif, métabolique et informationnel. » Vivre uniquement sur nos stocks naturels, en dilapidant notre potentiel d'atomes, est d'une ignorance totalement irresponsable et suicidaire.
non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants. Si nous ne le comprenons pas et que nous ne mettons pas tout en œuvre pour respecter les formes de vie sous tous leurs aspects, nous serons, tôt ou tard, en faillite cosmique. En tant qu'habitant, responsable de cette planète, vous êtes-vous jamais posé la question? Chacun d'entre nous aurait pu et aurait dû le faire. C'est notre responsabilité et aussi notre privilège. Mais il faut reconnaître que si depuis des décennies, les instances gouvernementales, les grandes multinationales et les grands organismes de recherche dont nous dépendons avaient fait passer le peuple, l'humain, avant les technologies, le pouvoir et l'argent, et s'ils nous avaient proposé des voitures sans combustion, l'énergie libre, des structures administratives, économiques, éducationnelles et spirituelles orientées vers le développement de l'individu, vous les auriez adoptées. Tout simplement parce qu'ils auraient fait partie du système et vous les auriez utilisés sans même vous poser la question. S'il n'y avait pas d'autres alternatives que d'utiliser des vaisseaux spatiaux individuels qui ne laissent aucune trace sur l'environnement ou l'énergie libre, c'est ce que nous ferions aujourd'hui. Des groupes de personnes se battent furieusement contre les systèmes existants et nourrissent l'idée de coup d'État, de guerre civile et de révolution. Mais il est paradoxal de vouloir instaurer l'harmonie en utilisant la violence. Lorsque nous développons la haine, nous récoltons la haine, pas l'amour. Lorsque nous plantons des roses, nous récoltons des roses, pas des ananas. La société n'est pas seulement le monde extérieur, c'est aussi notre monde intérieur. C'est nous. La violence extérieure n'est que le reflet de notre monde intérieur, de nos espoirs, de nos frustrations, de nos désirs, de notre colère, notre violence et notre spiritualité. Pour changer le monde extérieur sans violence, il suffit de changer le monde intérieur, celui qui est en nous. Et me direz-vous, comment faire? Eh bien, c'est très simple et très difficile à la fois. Changez votre vision du monde et le monde changera.
Changer de position veut dire changer de place d'observation devant le tableau Les Ambassadeurs d'Holbein pour pouvoir comprendre que ce qui semble être une tache difforme en bas du tableau est en réalité un crâne. Pour avoir une autre perspective, une autre vision du monde non divisée, différente de celle duelle, où il y a d'un côté les pays riches et de l'autre les pauvres, matière et esprit, yin et yang, vous et moi. Et pour développer une vision qui soit entière et non duelle, il faut changer la manière dont nous voyons et comprenons le monde. Nous sommes au cœur d'une transition planétaire et d'une remise à zéro. Cette phase fait partie de notre évolution en tant que race humaine. Chaque génération y a réfléchi avant nous. En 1955, le projet Ananda Marga à Jamalpur, au nord-est de l'Inde, créé par Prabhat Ranjan Sarkar, se présente comme une alternative au système socio-économique, capitaliste et communiste. Dans les années 60, le mouvement hippie, la contre-culture, les mouvements contre les guerres et le flower power adressaient aussi ces grandes problématiques sociétales. De nombreux groupes se sont libérés du système existant et ont pris la décision volontaire de vivre d'une autre manière. Souvent, à partir de l'Inde, des communautés se sont constituées dans tous les pays. Les lieux de vie qu'ils créèrent ont tous pour vocation la vie communautaire harmonieuse, où chacun apprend à vivre en paix avec soi-même et avec les autres, au-delà de tout système de croyance, d'opinion politique, de genre ou de nationalité, et ils promeuvent la réalisation de soi, la fraternité cosmique, le leadership intègre et des instances gouvernementales, humanistes et progressistes. En 1962, le projet Éco-village Findorn, au parc de Moray en Écosse, fut créé par Helen Cady, Peter Cady, Dorothy MacLean et David Spangler. Il a pour objectifs principaux la mise en application des idées du développement durable sur trois plans, environnemental, social et économique. En 1968, le projet Auroville à Pondichéry, au sud de l'Inde, créé par une Française, Mira Alfassa Richard, connue sous le nom de la mère, compagne spirituelle du philosophe indien Sri Aurobindo, promeut les mêmes valeurs. Je m'y suis rendue dans les années 70. Ce n'était qu'un désert rouge et rocailleux avec quelques huttes de hippies. C'est maintenant une ville universelle, une ville oasis en forme de galaxie. En 1990, le projet Vénus
en Floride, aux USA, créé par Jacques Fresco et Roxane Meadows, promeut l'EBR, une économie basée sur les ressources, et propose une société sans argent où la pensée critique et la méthode scientifique sont utilisées pour la prise de décision. Depuis les années 2000, nombre d'autres projets se sont développés. Le mouvement Zeitgeist, créé aux USA par Peter Joseph, qui promeut la modification sociale profonde de la société par l'abandon de l'économie monétaire au profit d'une économie fondée sur les ressources de la terre et la créativité. Le parti politique Ubuntu, créé en Afrique du Sud par Michael Tellinger, basé sur les principes du contributionnisme Ubuntu, le parti vise à introduire 100% de l'emploi en fermant la banque de réserve sud-africaine et en la remplaçant par une banque populaire. Et chose intéressante, il prévoit également d'éliminer complètement la nécessité d'un gouvernement. Donc, pas d'argent et pas de gouvernance unique. La République libre du Liberland, créée par Vit Jetlika, est une micronation située entre la Croatie et la Serbie, inspirée par le libéralisme et l'euroscepticisme. Sa devise est « vivre et laisser vivre ». Son objectif est de fonder une société où l'on peut prospérer sans loi et sans impôts contraignants. De très nombreux projets communautaires continuent d'être créés partout dans le monde, comme par exemple ce micro-triptyque créé à Levaux dans les montagnes suisses par Olivier Pahude et Nathalie Stotzer. Premièrement, d'une part, la création de projets miracles. Deuxièmement, d'autre part, un lieu de vie communautaire éco-dynamique. Et troisièmement, des formations pour apprendre à se nourrir en sélectionnant et en récoltant les produits de la nature sauvage et de la forêt. Une rencontre à la fois d'une fin et d'un commencement. La fin d'une société et le début d'une autre, une transition où se croisent deux grandes tendances. Premièrement, d'un côté, la disparition de plus en plus évidente de la société comme nous l'avons connue. Deuxièmement, de l'autre, la mise en place d'un nouveau système financier, un nouvel Internet, la globalisation et la militarisation des systèmes et l'introduction progressive de populations non terrestres, les extraterrestres. Cette transition est accompagnée par une prise de conscience généralisée de la population à la réalité du monde dans lequel elle vit. Un monde contrôlé de toutes parts par une élite mondiale flirtant avec la corruption et dont l'outil principal de contrôle est la peur. La gestion du monde est beaucoup plus stratégique
systémique et subtile. Elle est organisée autour de systèmes de contrôle autogérés. Ces systèmes de contrôle sont partie intégrante de la société. Ce sont les systèmes de croyances, les religions, les systèmes éducatifs, les systèmes économiques, sociaux, culturels, spirituels, scientifiques. ,99% de la population aujourd'hui utilise les systèmes implémentés par ces contrôleurs. Nous les utilisons faute de mieux et parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour vivre ou survivre pour certains, pour des avantages personnels, la richesse et le pouvoir. Souvent sans y réfléchir, pressés que nous sommes à gagner de l'argent, payer les factures, élever les enfants, surconsommer et nous divertir. Les contrôleurs représentent 1% de la population. Ils le font pour les mêmes raisons que vous, des avantages personnels, la richesse et le pouvoir. Et ils s'enrichissent en répondant à vos appétits surconsommeristes, toujours croissants. Ce sont des dynamiques suicidaires dont nous devons nous dégager. Le 1% des élites et les 99% du reste de la population ont tous le même but, le bonheur et une société interstellaire. Le 1% a déjà sa solution globalisée, c'est le nouvel ordre mondial. Les 99% ont aussi leur solution au travers des multiples communautés qui sont créés mais non globalisés. Donc, la solution pour sortir de cette impasse est de nous unifier. Ce 100%, l'unification, est un véritable défi pour la majorité d'entre vous. Et vous ne serez probablement pas d'accord au premier abord, parce que vous pensez que ce sont les 99% qui devraient gérer et contrôler la société. Mais si vous faites cela, vous ne ferez rien d'autre que de faire ce que le 1% fait, perpétuer le système en continuant de le diviser. Les 1% richissimes d'un côté et les 99% de l'autre, et la population sera toujours manipulée et manipulable.
Imaginez les groupes non terrestres, les extraterrestres, qui la plupart n'utilisent pas d'argent, dans leurs vaisseaux spatiaux, contemplant avec effarement et perplexité le scénario divisé, avec d'un côté une poignée de terriens qui possèdent millions de dollars, et à côté une vieille femme qui n'a qu'une poignée de riz pour se nourrir. Que croyez-vous qu'ils pensent de notre société terrestre et des terriens? Buckminster Fuller soulignait aussi ceci. Vous ne modifiez jamais les choses en luttant contre la réalité existante. Pour changer quelque chose, créez un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. Donc, comment rendre le système actuel obsolète? Eh bien, tout simplement en implémentant un nouveau modèle sociétal. Mais j'ajouterai un élément très important au principe ingénieux de Buckminster Fuller. Il ne faut pas créer ce nouveau modèle uniquement de l'extérieur. Il faut aussi l'implémenter de l'intérieur, le mettre en place à l'extérieur et à l'intérieur simultanément. Ce modèle de société, la société holographique en nid d'abeille, se construit en même temps des deux côtés, de l'extérieur en solutionnant les problématiques planétaires et de l'intérieur en changeant les perspectives individuelles. Elle s'implante, puis elle se fractalise de manière naturelle et elle se déploie ensuite comme un système réticulaire. La parfaite analogie est celle d'une graine de séquoia géant, le séquoiadendron giganteum, qui, d'une toute petite graine fragile qui tient sur le bout du doigt, devient un arbre géant qui peut vivre jusqu'à 2500 ans et qui peut être le témoin de 5 civilisations humaines successives qui, elles, ne durent que 500 ans. Une société planétaire, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est une structure non terrestre adaptée par chaque race interstellaire selon des critères économiques, culturels, territoriaux, scientifiques et techniques et les directions envisagées pour faire évoluer les populations et leur société. La société est pensée à l'avance et implémentée.
La planète et toutes les structures sur Terre sont entièrement contrôlées. Il n'y a de partis libéraux, conservateurs, des partis au centre, à droite ou à gauche, que dans le souci de rallier le maximum de population sous leur férule. Un peu comme des fleurs différentes que l'on rassemble en bouquets composés. Bien sûr, j'emploie une métaphore pour que vous compreniez mieux. Si vous êtes communiste, vous appartiendrez à un parti. Si vous êtes chrétien, à un autre. Si vous êtes franc-maçon, un autre encore. Les rois et les reines, un autre. Si vous êtes spirituel et méditant, c'est encore un autre. Mais tous sont regroupés en un seul bouquet qui contrôle entièrement le monde et qui est géré par les membres de familles puissantes, descendantes de lignées extraterrestres. Et ce sont ces extraterrestres qui gère une ou des planètes et qui orchestre toutes les structures de cette planète, ainsi que les relations terriens, extraterrestres sur Terre et dans l'espace. Ce sont ceux que j'appelle les extra-contrôleurs, extra pour extraterrestres. Le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une nouvelle structure sociétale planétaire, est de construction extraterrestre et elle est orchestrée à des niveaux supérieurs par des groupes d'extraterrestres. Les membres de la haute élite ou leurs représentants sur Terre se rencontrent dans un vaisseau spatial spécifique ou dans une salle d'une base souterraine en Antarctique où se situe l'un des centres les plus importants de rencontres et d'échanges. La structure qui est en train d'être implantée sur Terre a deux aspects principaux que l'on pourrait voir sous deux angles. L'aspect visible, en surface, dirigé vers l'action immédiate de ce qui doit être entrepris sur Terre pour protéger la planète, et des changements extérieurs laissés à l'engagement de chacun. L'aspect invisible ou secret, en profondeur, dirigé vers l'intérieur, le mental et le cognitif, pour changer les mentalités ou les habitudes des terriens, imposées pour l'instant de manière coercitive. Ce qui est en train d'être implantés sont les 17 points mentionnés dans l'agenda 2030.
premièrement, pas de pauvreté. 2, zéro personne qui ont faim. 3, une bonne santé et le bien-être. 4, une éducation de qualité. 5, l'égalité entre les sexes. 6, de l'eau propre et l'assainissement pour tout le monde. L'énergie propre et un coût abordable. 8. Un travail décent et la croissance économique. 9. Le développement de l'industrie, de l'innovation et des infrastructures. 10. La réduction des inégalités. 11. Des villes et des communautés durables. 12. La consommation et la production responsables. Des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. 14. La protection de la vie aquatique. 15. La protection de la vie terrestre. 16. La paix, la justice et les institutions efficaces. 17. La mise en place de partenariats pour la réalisation des objectifs. Vous pouvez donc constater que ces 17 points correspondent au projet communautaire dont j'ai parlé et ce sont la vie communautaire harmonieuse, apprendre à vivre avec soi-même et avec les autres, abandonner les systèmes conventionnels de croyance, développer la fraternité cosmique, le leadership intègre et mettre en place des instances gouvernementales, humanistes et progressistes, ainsi que pourvoir aux besoins de tous de manière équitable. Le problème pour les extraterrestres, qui sont de fins stratèges, pour initier ces changements sur Terre, est comment amener toute une planète, les 7 milliards d'habitants, avec des origines, des sociétés, des nationalités, des cultures, des croyances et des langues différentes, non seulement à adhérer à ces valeurs, mais à faire les transformations nécessaires dans leur vie pour les mettre en place. Comment faire comprendre aux populations que l'humanité est dans une phase de transition en train de passer d'une chrysalide enfermée dans un cocon, ici en rouge à 2,7, et à des capacités de vol interstellaire, et que donc la société dans son ensemble est en train de se transformer de manière radicale. Du sol en position 1, on passe à l'air en position 4. De la nourriture solide, on passe à une nourriture plus légère.
Au lieu de voir sur Terre juste devant le bout du nez en 1, on perçoit depuis l'espace vers la Terre en 4. Et surtout, on développe la capacité de voler. Ces changements impliquent de se transformer soi-même, de transformer ses propres habitudes, sa manière de penser, sa manière de consommer, sa manière de vivre. Quel pourcentage de la population globale est suffisamment consciente et éveillée pour le faire? Que diriez-vous? 1%? Pensez-vous que 70 millions de personnes sur Terre seraient prêtes à mettre en place tous ces changements rapidement? Combien de personnes sont partantes pour vivre dans un système planétaire où il faut vivre de manière décroissante et qu'elles le fassent de leur propre gré? Moins manger, moins consommer, réduire l'utilisation des produits chimiques, avoir moins d'emballage, répartir les ressources planétaires de manière équitable entre toutes les nations, collecter ces biodéchets pour produire du biogaz, développer la permaculture et l'aquaculture verticale, cultiver son jardin, partager quels que soient les pays. Combien sont prêts à s'unir à d'autres nations pour que nous devenions un peuple planétaire? Combien de personnes sur Terre seraient prêtes à changer leur vie de manière radicale? 70 millions de personnes, pensez-vous? Faites-vous partie de ces 70 millions? Avez-vous fait ces changements radicaux? Voilà pourquoi vous voyez actuellement apparaître des systèmes coercitifs de type dictatorial, encadrés par des militaires, pour que les populations mettent en place des systèmes qu'elles n'adopteraient pas, car cela les obligerait à tout remettre en question. Cela les obligerait à changer leur manière de penser, leur manière de croire, leur manière de vivre, abandonner leur consommation ou leur surconsommation, et leurs habitudes, leur confort. On ne peut pas leur en vouloir, car mettre en place ces changements demande du courage et de la réflexion. Et à un niveau planétaire, cela demande beaucoup de temps. Comme expliqué dans le documentaire « La Reine Rouge », ce type de société extraterrestre planétaire
utilise les intelligences artificielles et l'holographie de manière courante, et c'est aussi ce qui est en train de se développer sur Terre. Sur Terre, c'est le physicien et ingénieur hongrois Denis Gabor qui a inventé l'holographie en 1948, il y a plus de 70 ans, ce qui lui a valu de recevoir le prix Nobel de physique en 1971. La racine étymologique du mot « holographie » vient du préfixe grec ancien « holos » qui veut dire « complet, entier » et « grapho » ou « graphéine » qui veut dire « écrire, dessiner, graver des caractères » que l'on retrouve dans les termes « graphème » en linguistique, « greffier » en droit, pour le texte et l'écriture, mais aussi dans les mots « graphie » et « graphique » pour le visuel que l'on retrouve dans « photographie », cinématographie, échographie, qui mélange à la fois texte et image. L'holographie consiste à restituer une image ou à projeter un objet en trois dimensions, et elle s'est développée au point de pouvoir entendre et toucher l'hologramme comme une réalité physique. Pour ce qui concerne les races interstellaires, l'holographie et l'hologramme sont utilisés de manière généralisée pour absolument tout. Les ordinateurs holographiques, qui n'ont plus de support physique et flottent dans l'air, les programmes d'immersion, qui utilisent des hologrammes comme système de communication. Par exemple, Zen m'expliquait comment il discutait de cette manière. Premier exemple. Assis devant son ordinateur holographique, depuis son vaisseau spatial en haute orbite terrestre, il commandait à l'intelligence artificielle en charge de son environnement d'initier un appel vers une personne sur sa planète à 420 années-lumière. Un environnement le submergeait et il se retrouvait sur une plage en direct, en train de se promener avec un membre de sa famille pour discuter des affaires familiales et passer un peu de temps en sa compagnie. La toucher, sentir le soleil et le vent, et entendre les bruits de la nature. Deuxième exemple. Il avait sollicité une audience auprès du grand conseil de sa planète pour que nous puissions, lui et moi, obtenir davantage d'heures d'audio directes et transférer la demande auprès de l'UFOP, la Fédération Unie des Planètes. Son audience a été acceptée. Le programme d'immersion fut déclenché à son insu et il s'est retrouvé brusquement, en quelques secondes, dans la salle d'audience, à 420 années-lumière, devant le grand conseil déjà rassemblé avec 12 femmes qui le regardaient et l'écoutaient attentivement. Troisième exemple. La communication holographique est utilisée à bord de Viera Andromeda, l'immense biosphère andromédienne située derrière la biosphère Lune. Lors des réunions des grands conseils andromédiens, les étortants, par exemple,
qui habite sur la planète Hethor, située à 642,5 années-lumière et qui ne pouvait assister aux réunions en personne, était assis à la table des négociations en hologramme. Et bien sûr, comme les technologies extraterrestres sont beaucoup plus avancées que les nôtres, il me disait que cet étortan était si physique et si présent que cela le faisait se questionner sur la nature de la réalité. Donc en résumé, une société qui a recours à l'holographie et par conséquent l'intelligence artificielle de manière simple, courante et généralisée. Toujours dans le souci d'éclairer la signification du mot holographique, voyons maintenant le préfixe « holos ». On comprend bien en effet la partie holographique de ce type de société puisque nous y sommes déjà habitués ici sur Terre. Mais que veut dire « holos » dans ce contexte ? Ce préfixe doit être compris non seulement comme entier en termes de volume et de profondeur dans la représentation d'un objet ou d'une personne, mais également en termes philosophiques et spirituels. Dans ce contexte, holos veut dire un ensemble indivisible, sans scission, holistique, sans dualité. Une être-té dynamique, une société où tout le vivant, la flore, la faune, les êtres vivants, les humains, sont tous pris en considération dans un ensemble insécable et accepté, accueilli, respecté et protégé. Pour ce qui concerne les sociétés holographiques non terrestres, il existe autant de sociétés holographiques interstellaires qu'il existe de races. Mais, de manière générale, disons qu'elles sont plus ou moins toutes basées sur une structure minimale qui est le modèle andromédien, l'une des plus anciennes races interstellaires. Ce modèle est pensé puis implanté et adapté et affiné au fil du temps. C'est une structure très stable, à la fois fluide et solide. Si un élément est déficient, on ne détruit pas tout le système, on remplace simplement la partie défectueuse. Cas numéro 1, structure holographique de base. Premièrement, gestion planétaire. La gestion planétaire est globale par intelligence artificielle qui a plus ou moins de pouvoir. Dans certaines sociétés, elle est totalement au service des populations. Et dans d'autres, c'est l'intelligence artificielle qui a le contrôle complet de la planète et des populations. Deuxièmement, organisation politique. L'organisation politique est similaire aux fédérations, confédérations et alliances sur Terre. Par exemple, la Fédération Unie des Planètes, du FOP. Leur constitution et leurs lois sont des systèmes dynamiques qui permettent de les changer régulièrement au regard de l'évolution des populations. Troisièmement,
Troisièmement, gouvernance. La gouvernance se fait par conseils de niveau qui sont organisés de manière horizontale avec peu ou aucun niveau de séparation entre les membres des conseils et les citoyens. Le pouvoir de décision est distribué en de multiples groupes conseils et ce sont ces assemblées délibérantes qui gèrent les affaires à chaque niveau, par exemple familial, communal, rural, urbain, régional, continental et planétaire. Quatrièmement, membres. Les conseils de niveau sont organisés à la base en micro-conseils de 12 membres d'une famille ou d'une communauté auto-sélectionnés librement qui élisent l'un des membres comme porte-parole. Les autres niveaux sont organisés de la même manière. Certaines races interstellaires, au lieu de conseils de 12 membres, sur de multiples niveaux, les ont organisés en 3 niveaux avec davantage de membres. Niveau 3, le Conseil des citoyens qui comprend 2000 membres. Il est composé d'environ 2000 membres qui sont les porte-parole de l'ensemble des citoyens. Le Conseil des citoyens crée ou modifie les lois planétaires que tous les habitants peuvent faire remonter par ce biais. Niveau 2, le Conseil intermédiaire, 150 membres. Il est composé de 150 membres formés à ses responsabilités dès leur plus jeune âge et sélectionnés par test d'aptitude parmi tous les enfants de la planète. Le rôle du Conseil intermédiaire est judiciaire et de contrôle de l'équilibre des forces au sein du Conseil général planétaire. Niveau 1, le Conseil planétaire, 4 membres. Il est composé de 4 membres sélectionnés par l'intelligence artificielle planétaire parmi les 150 membres du Conseil intermédiaire pour leurs capacités intellectuelles, émotionnelles et leurs valeurs éthiques et de service aux autres. Le Conseil planétaire veille à ce que les lois soient respectées, il décide des sanctions si elles sont transgressées et c'est le pouvoir de la loi qui prévaut comme expression de la volonté des citoyens. Cinquièmement, nature de la société. Selon qu'une société est de type patriarcale, matriarcale ou avec une parité égale, les prises de décision et votes seront équilibrées 50-50 hommes-femmes, à majorité masculine ou exclusivement masculine, à majorité féminine ou exclusivement féminine. Sixièmement, organisation du travail des conseils. L'organisation des conseils est de type chercheur scientifique dans une salle comme une grande salle de recherche dotée d'ordinateurs holographiques et de connexions au réseau informatique centralisé géré par l'intelligence artificielle. Cas numéro 2,
structure holographique royale. La structure holographique royale est la même que celle du cas numéro 1, mais avec un roi, dans le cas des sociétés patriarcales, ou une reine, dans le cas des sociétés matriarcales. Dans les deux cas, le compagnon du roi ou de la reine deviendra reine ou roi, mais chez certaines races, c'est uniquement le roi ou uniquement la reine qui a le pouvoir royal. Rois et reines sont soutenus par les conseils planétaires administratifs et militaires. Dérive des sociétés holographiques. Le monde et la vie stellaire sont à la fois simples et très complexes. Il est raisonnable de penser que la vie stellaire est similaire à la vie terrestre, mais avec une différence de registre puissance 1000, spiritualité puissance 1000, conflits et armements puissance 1000. Tout comme sur Terre, la corruption y existe aussi, et les dérives sociétales de certains types d'extraterrestres bien connus sur Terre pourraient briser le cœur de bien des terriens s'ils en étaient informés. Il ne faut toutefois pas généraliser, car certaines races, comme les Andromédiens, sont hautement spirituelles et ne possèdent aucune arme. À titre d'exemple, et sans vouloir les citer par discrétion, et pour que vous ne soyez pas polarisés contre telle ou telle race, au sein d'une société holographique royale, gérée par des femmes hautement dominatrices, avec une puissance de feu sans égale sur Terre, les hommes y avaient, en 2016, un statut largement inférieur à celui des femmes sur Terre. Une autre société de type scientocratie a une hiérarchie planétaire si totalitaire que le crédit de points dont ils sont bénéficiaires et qu'ils acquièrent grâce aux services rendus à la société est utilisé pour contrôler la population. L'échange travail-points est si bas que les populations n'ont quelquefois pas assez de points pour se nourrir. Ils décident donc de partir en mission autour de la Terre pour obtenir plus de crédits et accumuler des points. Mais ils découvrent, une fois arrivés, qu'ils n'en ont jamais assez pour retourner sur leur planète. Et ils passent des années dans des vaisseaux spatiaux à travailler 16 heures par jour sous le contrôle de commandants eux-mêmes contrôlés par leur intelligence artificielle planétaire. Nous nous orientons, sur Terre, vers une société planétaire gérée par intelligence artificielle. C'est inéluctable. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, prenez le temps de visionner le dernier documentaire intitulé « La Reine Rouge » qui aborde ce sujet précisément. Et en vous abonnant à Space News, car les documentaires didactiques sont réservés aux sponsors. Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux
d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur.